Bonjour, 皆さんこんにちは。今日の動画はですね、古く使われなくなったものを素敵にアップサイクルしている環境にも優しいブロカントの店を紹介していこうと思っています。こちらのブランドはですね、最近10区のカナルサンマルタンから歩いてすぐの立地にオープンしたばかりのお店です。このブランドはですね、以前2区のサンドニモンから少し歩いたところにショールーム兼事務所のようなものがあったところです。以前ここで椅子を2脚買ったのですが、とても使い勝手が良く、お部屋もおしゃれな感じになったので、またいい家具があったら買いたいなと思って今日見に来ました。店員さんがとっても優しくてですね、なんとお店を紹介してもらえることになりました。今回お店を紹介してくれたのはこちらのお姉さんです。すいません、まさかお店の方が紹介してくれると思ってなかったので、なんか間違ったフランス語とかいっぱい喋ってるんですけれども、そこはご愛嬌でお願いします。わかる範囲で字幕をつけてみました。それではどうぞ。Du coup, je vais vous montrer tout ce qui est les pièces de seconde main, les pièces qui ont été chinées. Oui. Donc, comme la desserte qui est ici. Oui. Qui sont en fait des anciens meubles de télévision avec les pieds, vous voyez, qui sont très fins, très jolis. Wow. Vous avez aussi cette petite table ici. Oui. Et alors, voilà la particularité. Oui. De s'ouvrir. Ah. Elle a une cachette secrète. Waouh! Ah, c'est super! C'est super! Ah oui! C'est au plus. Ah, c'est juste décoration. Exactement. Voilà. Oui. Vous avez aussi ce bureau qui est ici. Voilà. Ah! Avec la petite chaise Baumann. Oui. Voilà. Mmh. Ensuite, vous avez ces lampes là que j'étais en train de mettre les ampoules. En fait, ici, ça c'est chiné, ça c'est chiné, et toute l'électricité s'est refait à neuf. Donc c'est de l'upcycling. Upcycling とは、使われなくなった素材を回収して、より良い品質のものを作るという考えです。リサイクルとの違いはですね、アップサイクルは価値のないようなものを組み立てたり作り変えたりして付加価値をつけるのに対して、リサイクルは紙やプラスチックなど一度形をぐしゃぐしゃにして再構築するという違いがあります。なのでリサイクルされたものの品質は最初よりも同等かそれ以下になります。Rénover. Ah, rénover. Ouais. De fait. Alors ça, c'est un artisan qui le fait. Ah, ok. Voilà. Voilà. Ici, vous avez. Ici, c'est du mobilier très ancien. Voilà. Oui. Qui vient d'Asie. C'est joli. Ouais. Il est très très beau. Qui vient d'Asie. Oui, absolument. Ah. Ouais. Et ici, vous en avez une autre version. Oui. Qui est en fait à partir de teck recyclé. Vous voyez, teck recyclé. C'est du bois, c'est du bois pour l'extérieur. Oui. D'accord. Et c'est des vieux morceaux de teck. Oui. Et ils en font du mobilier. Alors que ça, c'est vraiment du mobilier d'origine. Ah, d'accord. Voilà. Ah oui. Avant, j'ai acheté deux chaises comme ça. Ouais. Oui. Ah, oui. Chez vous. Ah, super. Ah oui. Vous connaissez bien alors. Oui. Vous avez ça aussi qui est très très beau dans un esprit un peu art déco comme ça. Ah oui. Qui est très joli. Ah, très joli. Voilà. Mmh. Vous avez ce petit meuble également. Mmh. Un petit secrétaire. Oui. Avec les jolis. Ah, c'est joli ça. Ouais. Ah oui. Vous pouvez vous en servir comme table aussi. Ah, comme table, oui. Comme pour du rangement. Oui. Ça aussi, il y a beaucoup de succès. Oui. C'est le petit meuble de salle de bain. Ah. Avec le plateau en marbre. Ah, d'accord. Pour la salle de bain. Ouais. Ah, c'est pour ça, c'est. Oui, c'est à base des anciens meubles de salle de bain. Ah, ok. Et aujourd'hui, on s'en sert aussi comme bureau. Ah, comme, d'accord. Voilà.
Ah, vous êtes enceinte? Oui. Ah, ah, félicitations. Merci. C'est le numéro 3. Ah, numéro 3. Oh, ouais. Numéro 3, ça veut dire 3 enfants. Ah, 3 enfants. Oh, ouais. Wow. Super. Vous avez aussi celle-ci. Ah, c'est joli ça. Ouais. J'adore. La patine, elle est très belle. Ah, oui. C'est vraiment une très jolie patine. Oh. Avec là, ici, la chaise tonnée. Tonnée? Ouais. Ah, c'est super. On trouve beaucoup de chaises comme ça dans les bistrots parisiens. C'est très... Ah, bistrot parisien. Oui. Ah, d'accord. Ouais. On en trouve encore beaucoup. Vous avez ajouté bistrot parisien. Oui. C'était fermé. Oui, exactement. Ah, exactement. Ah, c'est des... Ça a fermé et oui. Ensuite, les chaises et le mobilier est revenu oui. Sur... a été vendu. Ah. Et nous, on achète. Ah, d'accord. Voilà. Ah, c'est joli. Vous avez ça aussi. Pareil avec une très belle patine. Wow. Wow. Ah, super. Et après, vous avez des choses beaucoup plus design. Oui. Comme celle-ci, comme cette table. Ah. Avec son mobilier chromé, vous voyez. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Oui. Thank you.